Bonjour à tous. Pendant que les dernières personnes s'installent, je vais commencer à vous accueillir et à vous faire une petite introduction de cette journée. Merci pour votre présence. Merci pour ceux qui sont derrière leur écran de nous suivre, soit en direct, soit en replay. Rencontre néphrodiète après une période de Covid, où on a eu l'occasion de faire des réunions en Teams, en vidéo, donc de continuer à échanger mais pas à se rencontrer, ce qui est un des éléments importants de cette rencontre. Rencontre néphrodiète avec le soutien du docteur Char, que je remercie aujourd'hui, qui est dans la continuité des rencontres, vous allez voir la différence majeure, diète néphro, qui ont été initiées il y a un peu plus de 15 ans, avec un autre soutien industriel. Mais donc finalement, plus de 15 ans de réunion, tous les deux ans, on doit être à la 9e ou à la 10e, je n'ai pas retrouvé exactement, avec l'idée initiale d'une bande de copains qui s'intéressaient à la néphrologie et à la nutrition. Bon, enfin, je croyais que c'était des copains. de se dire qu'on avait beaucoup de choses à échanger et à partager, aussi bien en travaillant ensemble qu'en se formant et en apprenant ensemble, et qu'il y avait sûrement un intérêt à faire des réunions communes pour partager nos savoirs et nos expériences. Je dirais que finalement ce pari était parfaitement juste, puisqu'on a toujours rencontré un certain succès présentiel sur ces réunions. Donc il y en a qui sont venus depuis les premières, il y en a qui sont peut-être plus nouveaux aujourd'hui. Et le format d'aujourd'hui, il est un tout petit peu nouveau. C'est des présentations ce matin en plénière, où il y aura bien évidemment des questions. Et puis des ateliers cet après-midi, en plus petits groupes, pour vraiment favoriser les échanges. Et donc vous avez dû vous inscrire chacun à deux des trois ateliers qui sont proposés et qui seront répétés deux fois pour que tout le monde puisse participer à deux ateliers. Voilà pour la présentation de la journée. Donc il y aura une courte pause déjeuner entre 13h et 14h pour tenir un programme déjà bien fourni pour toute la journée.